Nous, c'est Pac-Boy pour un nouveau Road Trip in Tokyo. Et cette fois-ci, je vais vous parler de l'importance d'avoir des amis. Oui, parce que sans amis... la vie est triste. Oui, car avec des amis, vous pouvez découvrir de nouveaux endroits merveilleux que vous n'aurez jamais pensé qu'ils existaient et qui sont en plus de votre passion, de votre hobby ou de votre folie. Oui, surtout beaucoup de folie, oui. Effectivement, j'en ai beaucoup à revendre. Et c'est pour ça, donc, que quand je suis allé au Japon, je me suis dit, je vais me faire des amis, en tout cas le plus possible, surtout féminine, si possible. Bon, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, bien entendu. Mais encore une fois, donc, ça m'a permis de découvrir aussi des gens bien, des couples heureux et des couples malheureux, mais bien entendu, qui m'ont permis de découvrir des endroits merveilleux ou de vivre des endroits que je voulais vivre avec que pour justement m'améliorer sur les choses. Et comme vous avez pu le constater, certains restaurants comme le bar Alcatraz ou Lock Up, bah, c'est mieux de le faire à plusieurs. Alors dans cette idée-là, bah, justement, mes amis japonais étaient contents de me revoir. Nous avons passé une journée ensemble qui était merveilleuse. Et ils m'ont dit, bon, demain on se voit. Attention, je te donne l'adresse, c'est à Tower Record. On se rejoint à Shibuya. Je me renseigne, je prends les informations. Et je décide d'aller avec eux, bien entendu, à Tower Record, sans savoir ce qui m'attendait. Pour tout vous dire, ils m'ont fait grave plaisir. J'avais bien entendu parler de ma passion pour les mangas et les animés japonais. Bon, ils sont pas dupes en même temps, si tu vas au Japon, c'est souvent pour ça. Et ils connaissaient donc un de mes mangas favoris, qui était Jojo's Bizarre Adventure. Jojo's Bizarre Adventure, qui d'ailleurs avait sorti sa quatrième saison en animé, pour le bonheur de ses fans. Tower Record donc a décidé de faire un café éphémère qui est à la mode au Japon. Alors qu'est-ce qu'un café éphémère? On va vous expliquer ça simplement. C'est un café qui existe juste sur le moment pour promouvoir un nouveau produit, une nouvelle série animée ou un film. Et Tower Record a un petit café donc au deuxième ou troisième étage, je m'en souviendrai plus, mais qui proposait justement donc pour la sortie de Jojo's Bizarre Adventure, la saison 4 en animé, une petite boutique, un petit restaurant aux couleurs de Jojo. Et bien entendu, c'est grâce à l'épisode spécialisé sur la bouffe avec le restaurant italien qui se trouve à Morio, qu'on a pu constater justement des plats qui ont été faits dans le même style, une salade mozzarella ou encore une salade de tomates avec justement les personnages emblématiques et les stands. Pour vous donner une petite idée, hein, je suis en train de vous mettre sûrement les photos de la nourriture et pour vous mettre en appétit et tout. Bien entendu, il y avait une petite boutique juste avant où vous pouvez acheter des petits mangas de la série ou encore les sous-bocs du restaurant. Mais si vous mangez au restaurant, vous pouvez bien entendu prendre gratuitement les sous-bocs ou encore une fois les petits tapis de table pour manger et les nappes et vous en servir pour vous, chez vous, bien entendu, comme vous le souhaitez. Faut dire aussi que c'était un petit peu cher pour ce que c'était, hein, petit salade et tout ça. Je crois qu'on en a eu pour presque 80€, mais bon, bien entendu, on avait pris presque tous les plats de la carte du menu. Il n'y en avait pas 50 000, mais c'était pour goûter un petit peu à tout, et donc c'était vraiment pour 3, hein, pour 80€. Un petit peu moins, je pense qu'on en avait pour 60€. Bien entendu, pour décorer, on avait plein de petits personnages de carton pâte et tout ça, ou de petits posters de Jojo's Bizarre Adventure qui étaient présentés partout, et même des captures d'écran de la série animée présentées sur les murs. Alors, ayant bien mangé et ayant apprécié le décor très jojoesque et ayant pris plein de sous-bocs et de petits souvenirs comme ça, parce que c'est gratuit, que ça fait plaisir, comme de vue, mes amis japonais me disent « Oui, bon, attends, j'ai aussi d'autres choses à faire sur le Tower Record. » En fait, ils me cachaient, ces petits coquins, la surprise, la petite cerise sur le gâteau qu'il y avait dans ce petit immeuble. Et oui, car ce n'était pas tout. Bien entendu, ces personnes sont venues en train de me dire « Oui, à propos, donc voilà, tu regardes, c'est un petit magasin CD, c'est sympa. Bon, sinon, on va aller au dernier étage. » Et voici le dernier étage, nous montons, et la porte s'ouvre. Et là, qu'est-ce que je vois? Un magasin entièrement dédié à Jojo's Bizarre Adventure! Mon Dieu, parce qu'il n'y avait pas que le café éphémère, mais aussi la boutique qui était éphémère, mais qui était sur l'animé, bien entendu, de Jojo. Vous aviez droit à des dédicaces de tous les seiyuu de l'animé,
en cadre. Vous avez droit à de petits décors où vous pouvez vous amuser à vous prendre en photo avec les personnages. Vous avez pas mal de, vous avez aussi un trailer qui était diffusé sur le fond, mais bien entendu vous avez aussi une petite boutique avec même des tenues de cosplay des personnages, des CD, des musiques, des openings ou des OST soundtrack des saisons 1, 2, 3, il n'y avait pas la saison 4 si je me souviens bien. Vous avez pas mal de petits goodies à acheter bien entendu sur Jojo's Bizarre Aventure, mais malheureusement nous n'avons pas l'argent illimité. Et donc j'ai dû acheter juste 2-3 CD parce que je voulais acheter ça et que ça coûte super cher les CD audio au Japon. C'est ça qui est dommage. Mais encore une fois, donc, je me suis fait plaisir à découvrir de nouveaux endroits que je n'aurais sûrement jamais fait si je n'étais pas venu avec mes amis japonais qui m'auraient fait ce plaisir de me faire découvrir cet endroit. C'est pour ça que donc, je leur remercie et je vous dis, faites-vous des amis au Japon, parce que comme ça, bah, vous découvrirez des endroits complètement fous et que eux seuls connaissent, mais qui sont... bah, justement, de votre passion, de votre vie. Alors, merci à vous, peuple japonais, pour nous faire découvrir votre culture. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce road trip de Tokyo et l'importance donc de communiquer avec son prochain pour découvrir de nouveaux endroits qui vous font plaisir. Moi, je vous dis à une prochaine.